c'est une structure qui aide des porteurs de projets à créer un prototype et surtout à se préparer à l'industrialisation. Donc on a plusieurs services, on a une infrastructure assez gigantesque dans le 13e à Paris avec des machines et avec des outils. On a aussi des experts qui sont sur place pour aider les porteurs de projets et surtout un réseau énorme de sous-traitants, de manufactures, d'usines qui vont pouvoir aider les porteurs de projets à concevoir leurs protos et surtout à aller à l'industrialisation. On s'est monté en 2014 avec vraiment cet objectif d'aider tous les porteurs de projets, que ce soit des grandes entreprises ou des start-up, à créer un objet physique. Sur le prototypage et la fabrication à Paris en Ile-de-France, le territoire est extrêmement bien maillé. Alors nous, on s'adresse plutôt aux professionnels, mais il y a plein d'autres structures très intéressantes pour des élèves, pour des écosystèmes très locaux. Je pense à Draft, je pense à Villette Makers, je pense au FacLab à Gennevilliers qui font un travail de terrain très important autour de la fabrication et de la concrétisation d'une idée. Et nous, on s'adresse beaucoup plus aux professionnels. Donc finalement, on est tous complémentaires sur le territoire d'Île-de-France. Usinio s'inscrit vraiment dans une économie collaborative. Elle met en contact des gens qui ont des besoins avec des gens qui ont une offre pour pouvoir fabriquer son objet. Donc ça peut être un sous-traitant très précis sur de la peinture à Ivry ou en banlieue parisienne. Ça peut être un spécialiste de la propriété intellectuelle. On connecte beaucoup tout l'écosystème francilien qui n'a pas forcément les moyens de se faire connaître auprès de nouvelles cibles comme celles qu'on adresse, c'est-à-dire les start-up ou même des porteurs de projets grands groupes qui, pour la première fois, parfois prototypent de leur côté dans leurs ateliers de bricolage.